sœurs, vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite un très bon matin de dimanche et un très bon culte à tous ceux et toutes celles qui écoutent sur Internet. Je voulais vous présenter la Sainte-Seine aujourd'hui pour vous dire ce que moi je comprends la Sainte-Seine. Moi, la Sainte-Seine, c'est le corps et le sang de Christ qui a été offert en sacrifice pour nous pécheurs. Et nous sommes reconnaissants envers Jésus-Christ de nous avoir permis par ce sacrifice de nous accorder de nous présenter devant le Père, devant le trône de grâce. Le sang de Jésus a un prix, n'a pas de prix, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas donner un prix au sacrifice que Jésus a fait. Ce que je veux dire, c'est que le sang de Jésus-Christ c'est quelque chose qui nous donne une vie nouvelle, qui nous régénère dans notre moi. Et on doit se rappeler que Jésus, quand il était sur la croix, quand il a dit au Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce sang-là qui doit nous permettre d'arriver à cette situation de pardonner notre frère, notre sœur qui a peut-être fauté envers nous. Et je voudrais juste dire, pour ne pas trop rallonger le message de la Sainte-Seine, je veux dire que ceux qui prennent le corps, qui est le pain et le vin, qui est le sang du Christ, ben, sont en communion avec le Père et qu'ils sont en communion aussi avec les autres frères et sœurs qui sont aussi le corps du Christ. Donc le corps et le sang sont l'union qui nous unit entre nous et qui fait en sorte que nous soyons un comme notre Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Nous devons être un avec Christ, nous devons être un ensemble, donc la main dans la main, avec la même envie, la même vision de partager ce que Jésus nous a offert de plus sacré, c'est-à-dire son corps et son sang. J'invite à tous ceux et toutes celles qui veulent partager ce don précieux que Jésus nous a donné, son corps et son sang, ben de le prendre avec simplicité, sans se poser de questions et dire voilà que c'est pas ce sang et ce pain représentent le sacrifice que Dieu a fait, et sans souvenir de lui que nous faisons ça. Donc on doit se souvenir quand on prend ce moment de repas du Seigneur, ben que c'est le souvenir, on demande de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous, nous n'avons rien fait pour lui, que c'est lui qui a tout fait pour nous, c'est lui qui est venu premier vers nous, c'est pas nous qui sommes allés vers lui. Donc allons encore aujourd'hui vers la table qui est dressée devant nous par le Seigneur et prenons avec amour et avec joie et avec sincérité ce repas que le Seigneur nous offre. Je voudrais lever ensemble nos voix dans l'église et que nous puissions le remercier par l'amour. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux vraiment te louer, te rendre la gloire. Seigneur, je veux réellement te bénir parce que tu as donné une promesse. Tu as dit là où deux ou trois personnes sont assemblées, tu es là. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, tu as tenu ta promesse encore une fois. Seigneur, nous voyons combien, semaine après semaine, week-end après week-end, tu tiens tes promesses. Et Seigneur, tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Et vraiment, ce matin, je veux vraiment bénir ta présence. Ce matin, je veux réellement exalter ton nom. Ce matin, je veux réellement te bénir au milieu de mes frères et sœurs. Et je bénis vraiment chacun de mes frères, chacun de mes sœurs qui est ici, Seigneur. Parce que vraiment, c'est une joie qu'ensemble, nous puissions t'apporter un sacrifice. Seigneur, nous ne voulons pas être seuls au ciel. Mais Seigneur, le ciel est assez grand pour que non seulement tous mes frères et mes sœurs qui sont ici présents puissent un jour participer à ce merveilleux repas, cette merveilleuse fête que tu as prévue pour nous, mais que toute cette ville de Strasbourg, que toute cette région, que tout ce pays, que toutes les nations vont être impactées par la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous le croyons, et c'est une déclaration de foi. Seigneur, c'est une déclaration de foi. Et Seigneur, nous te bénissons, parce que tu es grand et digne de louange. Seigneur, il n'y a personne de semblable à toi, sur toute la surface de la terre. Et c'est toi qui continues de toucher. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là.
Merci Saint-Esprit parce que tu conduis les cultes. Et Saint-Esprit, je te demande vraiment de conduire ce temps de parole. Maintenant, pendant ce temps de parole, maintenant, nous voulons détruire toute œuvre du diable. Nous brisons maintenant toute chaîne de ténèbres. Satan, diable impur, tu lâches les vies maintenant. Je détruis tes œuvres maintenant. Je brise les chaînes maintenant. Toutes les chaînes de l'incompréhension, toutes les esprits de distinction, nous les lions maintenant. Et nous proclamons la gloire de Dieu. Je proclame la gloire de Dieu maintenant dans ce Dieu. Et je déclare que ce Dieu est grand et redoutable. Merci pour les légions d'archanges, des séraphins, des chérubins qui sont ici en train de servir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Alors quand je prêche, je l'ai déjà dit, je travaille avec les anges, je travaille avec mon Seigneur, mais quand je donne une parole, alors si tu veux la recevoir, alors tu vas dire Amen, Amen. Et souvent je donnais cette image, c'est comme si tu étais dans un restaurant et que tu vois un serveur avec un beau plat. Beaucoup de choses à bonnes à manger, de la bonne viande, des bons légumes, même si tout le monde n'aime pas les légumes. Et tu sens cette odeur qui t'attire. Et là, tu appelles le serveur. Tu lui dis Amen. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, qui veut être nourri ce matin? Amen. Les anges, ils ont entendu. Là, il y en a tout plein qui sont en train de se déplacer. La cuisine, ils sont en train de bien travailler. Amen. Amen. Je suis encore heureux d'être avec vous et c'est pour moi un privilège de pouvoir vous apporter le message de la parole de Dieu. Amen. Et d'abord, j'aimerais un peu vous raconter l'histoire de la semaine. Parce qu'après le culte de dimanche, je ne savais plus quoi prêcher. Ça fait depuis 2004 que j'ai toujours prêché. Et j'ai prêché maintes et maintes fois différents thèmes sur différentes choses que Dieu mettait à cœur. Et arrivé à dimanche, plus rien, plus aucune révélation, tout s'était arrêté. Et je me posais des questions. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis arrivé au fin de toutes mes prédications? Parce que jusqu'avant, je n'avais pas fait un culte, je n'avais pas fait une prédication qui se ressemblait. Et chaque fois, Dieu donnait la révélation et la révélation et la révélation. Arrivé à vendredi, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois prêcher? Je dis, je ne sais plus quoi prêcher. En plus, les enseignements parcourent maintenant le net. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est simplement vendredi, tu parleras de la délivrance. Alors, j'ai parlé de la délivrance. Moi-même, je suis venu, j'ai fait simplement un simple message. Mais je n'étais pas... Il y a quelque chose qui me travaillait. J'ai dit, Seigneur, ça fait une semaine, la révélation directe s'est arrêtée. Et j'ai prié. J'ai cherché la présence de Dieu. Et pendant une semaine, il n'y avait rien, un silence. Je ne savais pas ce que Dieu voulait faire. Et hier soir, j'ai dit, Seigneur, mais alors je vais faire quoi? Je vais être seulement un chantre, on va amener l'église seulement dans la louange, dans l'adoration. Et moi, je vais arrêter de parler, parce que j'ai plus rien à dire. Tu me dis, tu m'as rien dit pendant une semaine. Et hier, alors que j'étais sur mon canapé à 23h, le Saint-Esprit a commencé à parler. Et ce qu'il m'a dit, il m'a agréablement surpris. Il m'a pas seulement surpris, mais des nouvelles révélations ont commencé à couler. Le Saint-Esprit m'a dit, le week-end dernier, ça a marqué... La fin d'un temps, d'une génération. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ce message veut dire? Il me dit, la fin d'une révélation est passée. Maintenant, quelque chose de nouveau commence. Et je lui dis, mais comment? Alors que j'étais là, comme ça, sur le canapé, j'ai dit, mais c'est quoi la nouvelle révélation? Il a dit, qu'est-ce que je dois prêcher de nouveau?
Et on a parlé de l'onction, on a parlé du feu, on a parlé des guérisons, on a parlé des miracles, on a parlé des bénédictions, on a parlé des prières. Si vous allez voir sur le net, on a divers enseignements dans lesquels tu peux trouver des bons enseignements pour tout ce que tu as besoin dans ta vie. J'ai dit à Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous enseigner de nouveau? Et alors que j'étais là couché sur mon canapé, je vois le LCD de Dieu. Je l'ai déjà dit souvent. C'est la télévision de Dieu. Il n'y a pas d'écran. Il y a un écran, mais sans cadre. Je vois à travers et je peux voir, en même temps, je peux voir à travers. Mais je vois vraiment cette vision claire de Dieu. Et je vois un homme qui est en train de creuser un puits et qui enlève une pierre du puits. Et tout de suite dans mon esprit, le Seigneur me parle d'Isaac. Et alors à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ce puits? Il me dit ton message nouveau qui annonce la nouvelle venue d'une génération nouvelle. Ça va être le commencement. Et tu vas prêcher sur le puits. Le titre de ton message, ça va être les puits. Amen. Et nous allons ensemble. Amen. Vous voyez, une fois que c'était pas parlé, regardez ce qu'il avait dans son sac. Les puits, source de vie. Je ne connaissais même pas ce livre. Je ne connaissais pas ce livre. Moi-même, ça m'étonne. Vous voyez comment le Seigneur il confirme. On n'a pas encore prêché. Amen. Vous voyez comment le Seigneur confirme. La Bible nous dit que le Saint-Esprit confirme toujours sa parole. Moi, je ne savais même pas que ce livre existait. Mais voilà ce que Dieu vous parlait. Et nous allons ensemble ouvrir nos Bibles. Et le premier puits que nous allons voir, c'est le puits du désert. Amen. Nous allons lire ensemble, ouvrir ensemble notre Bible dans le livre de Genèse 21, verset 15. Amen. Genèse 21, verset 15. Sa présence est déjà là et l'onction est déjà sur le message. Il y a une forte onction qui est là. Amen. Plus forte encore que nous avons vu la semaine dernière. Parce que c'est le temps d'une nouvelle génération. Amen. Amen. Comme ça, d'abord, j'avais dit à mon frère qui, si vous préférez rester assis, pendant le temps de la prédication, j'avais mis un autre fond musical, mais s'il a cœur de continuer à jouer, il peut continuer à jouer. Amen. Genèse 21, verset 15. La Bible me dit, quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et lui fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur à l'arc. Amen. Amen. La Bible nous parle d'une histoire qui est très spéciale. La Bible nous parle de Agar qui était la servante de Sarah. Et la Bible me dit que après que Sarah ait enfanté Isaac, Ismaël a commencé à. Il a commencé à avoir une confrontation entre Ismaël et Isaac. Et Sarah a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Et la Bible nous dit que cette servante est partie par le désert avec une gourde, quoi. Et quand elle est arrivée dans le désert, au bout d'un moment, elle n'avait plus d'eau. Et la Bible me dit qu'elle a mis son fils d'un côté,
Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que je ne vois pas mon fils mourir. Et la Bible me dit une chose de particulière. Dieu n'a pas entendu les pleurs d'Agar, mais la Bible me dit que Dieu a entendu les pleurs du garçon. Amen. Il y a peut-être dans ta vie des déserts, des moments où tu te retrouves comme Agar, où tu vois que tes amis, ta famille sont loin de Dieu, où tu vois que tu n'as même plus quelque chose à leur donner pour boire. Ils sont désespérés. Et tu te retrouves dans ce désert comme Agar. Mais la Bible me dit quelque chose. Ce n'est pas seulement nos pleurs que Dieu entend, mais c'est les pleurs des hommes et des femmes qui souffrent. Amen. Et dans ce temps de désert, alors qu'on est en train de crier, de prier, le Seigneur me dit, mais qu'as-tu? C'est une belle question que Dieu nous demande. Parce que bien des fois, nous prions à Dieu, nous crions Dieu, mais nous ne savons pas nous-mêmes ce que nous avons. Amen. Nous prions Dieu pour qui? Nous crions à Dieu pour qui? Pour nous ou pour les autres? Amen. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier dans cette histoire. Alors qu'il n'y avait rien dans le désert. La Bible me dit, Dieu lui ouvrit les cieux, et elle vit un puits d'eau. Amen. J'aimerais te dire que dans tes déserts, que dans les moments où tu crois qu'il n'y a plus rien, que dans les moments où tu crois que tout est fini, il y a toujours un puits d'eau à côté de toi, seulement tu ne le vois pas. Ce qu'il faut demander quand tu te trouves dans une situation difficile, quand tu te trouves dans ce désert, dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie le puits d'eau. Seigneur, montre-moi où il est ce puits qui va commencer à changer ma destinée, qui va commencer à changer mon entourage. Parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Amen. Quand on parle de vie, on parle d'eau dans la Bible. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il y a toujours la vie. Et vous savez, quand Jésus il était mort sur la croix, alors que je suis en train de vous parler, je vois encore le CD de Dieu. Amen. Ce n'était pas prévu que je parle de Jésus dans ce verset-là. Alors que je vous parle, j'ai vu à ce moment-là une image de Dieu et j'aimerais vous la partager. Alors que Jésus était sur la croix, que le centenier était là, qu'il voyait les ténèbres tout autour de lui, il ne savait pas où trouver la vie. Il a pris la lance et la Bible me dit qu'il a percé le côté de Jésus. Et de l'eau et du sang en sont sortis. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé alors que le centenier romain a vu ça. Alors que Jésus a remis son esprit entre les pères et que pour lui il était mort sur la terre. La vie qu'il a vue, elle dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Un homme qui était sanguinaire. Un homme qui n'avait de pitié pour personne. Un homme qui avait que son armée et écoutait ce que les ordres de César. Quand il était face à tous ces ténèbres et qu'il ne savait plus regarder, il a percé le côté de Jésus. Et quand cette eau est sortie du côté de Jésus, ça lui a amené la vie éternelle. Ça lui a amené la vie éternelle. Quand toi tu es dans ton désert, commence à dire, Seigneur, montre-moi le puits. Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont dit à Moïse, Moïse, on a soif. Et l'eau est sortie du rocher. Amen. La Bible me dit que Jésus est notre rocher. Amen. Et partout où nous voyons que, à travers la Bible, que des hommes et des femmes étaient dans leur situation les plus désastreuses, la chose qu'ils demandaient toujours, c'est à boire. À boire. Samson venait de combattre je ne sais combien de Philistins avec une mâchoire d'âne. Il venait de remporter une grande victoire.
Mais la Bible me dit, alors qu'il venait de finir sa victoire, il a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné une grande victoire sur mes ennemis, mais est-ce que maintenant ton serviteur va mourir de soif? Et la Bible me dit que Dieu lui ouvrait les yeux. Il a vu un endroit où il y avait de l'eau et il a commencé à boire. Amen. C'est un message que tu dois comprendre, qui va être très puissant. Amen. Après la fin de la prédication, on va faire des actes prophétiques. Tu vas voir ce que ça va être, les actes prophétiques. Il y aura des choses qui vont changer dans toute l'atmosphère des nations. Parce qu'il y a des choses puissantes qui vont se passer aujourd'hui, ici, dans ce lieu. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné un nouvel ordre. Une nouvelle révélation. De tout temps, il y a eu des révélations qui sont passées. Malachie était là avec Jean-Baptiste pour dire maintenant, il y a un temps d'une nouvelle révélation, nous ne savons pas comment elle va venir. On sait que le temps, que tout ce que les prophètes ont dit est fini. Maintenant, quelque chose de nouveau va commencer à s'accomplir. Et Jésus a été le précurseur d'une nouvelle dimension. Amen. Jésus a été le précurseur d'une nouvelle révélation. Et quand Jésus a porté le message de l'évangile, les gens ont été foudroyés, frappés, et ils disaient, waouh, qui est cet homme pour parler avec une telle autorité, une telle puissance? Pourquoi? Parce que Jésus est venu amener un message nouveau. Amen. Et nous avons pu voir que quand l'église primitive est née, un message nouveau encore était venu. Un message nouveau pour une génération nouvelle. Et quand ce message a commencé à arriver à un temps où les apôtres ne savaient plus, tout d'un coup l'apôtre Paul est débarqué pour amener la touche finale de ce temps de génération. Et nous avons pu voir qu'à travers les années, il y a eu des grands réveils qui sont produits. Et que les hommes de réveil avaient chaque fois un message nouveau pour une génération nouvelle. On a parlé déjà même le week-end dernier que Charles Fitney, quand il rentrait dans un endroit, il disait, Dieu est en colère contre les péchés. Dieu est en colère contre les péchés. Et les gens commençaient à crier. Parce qu'au moment où il disait ça, ils voyaient l'enfer devant eux. Mais alors quand les gens commençaient à crier, Charles Fitney disait, ne vous inquiétez pas. Il y a la main de Dieu qui est en train de vous lever si vous l'acceptez. Et à ce moment-là, il y a eu un grand réveil, un grand bouleversement à New York. Et tant d'hommes et tant de femmes ont été des investigateurs pour leur génération d'un nouveau message. Pour leur génération, amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, nous étions arrivés dimanche, à la fin de la révélation, la génération passée. Amen. C'était la fin de la génération. Il me dit, c'est pour cela que j'ai gardé le silence et je n'ai plus rien dit pendant une semaine. Et là, je me suis souvenu de Moïse, quand il était sur le mont Sinaï, qu'il attendait une direction après avoir reçu les lois, les tables de la loi, après avoir vécu des grandes choses, il est remonté sur la montagne. Et là, on nous dit que Moïse était à genoux devant Dieu. Et pendant 7 jours, il essayait de trouver une direction de Dieu. Et la Bible me dit, Dieu est resté en silence pendant 7 jours. Pendant 7 jours, Dieu n'a plus parlé. Quelle devait être la frustration de Moïse? J'aimerais vous dire, je l'ai compris, c'est 7 derniers jours. Quand Dieu ne vous dit plus aucune parole, vous avez beau prier, vous avez beau louer, vous avez beau lire votre Bible. Et là, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et quand il m'a parlé hier soir, j'ai commencé à comprendre. Il y avait même le temps qui était déchaîné. Il y avait une grande pluie. J'ai regardé le temps, je me suis dit, mais Seigneur, même le temps, il est traqué. On est en plein mois de juillet, on se dira en plein mois d'octobre. Il me dit, le temps annonce le temps d'une nouvelle révélation. Le temps annonce le temps d'une nouvelle révélation. Le temps annonce le temps d'une victoire. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Et dans ton désert, ne meurs pas dans ton désert. Ne te lamente plus dans ton désert.
me dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois le puits dans mon désert. Tu as besoin du puits dans ton désert. Tu as besoin de l'eau de vie dans ton désert. Jésus a dit que celui qui a soif, qui vient à moi, je lui donnerai de l'eau vive. Et les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais dans ton désert, tu as besoin de cette eau vive. Que celui qui a soif, qu'il vienne, et je lui donnerai de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie ne se paye pas. Tu payes ta facture d'eau chez toi, ça veut dire que cette eau n'est pas l'eau de vie. Amen. L'eau de vie, ça ne donne plus pas le schnapps. Amen. Déjà, quelques de certains qui sourient, ah, l'eau de vie. L'eau de vie, ce n'est pas le schnapps non plus. Amen. Et tu as besoin de l'eau de vie dans ton désert pour pouvoir que ton entourage soit transformé. Amen. Le désert, ce n'est pas pour toi, c'est pour autour de toi. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui va être pour toi. Amen. Mais le désert, c'est pour tout ce qui est autour de toi. Peut-être tes enfants, peut-être tes parents, peut-être tes frères, tes sœurs, peut-être tes cousins, tes cousines, peut-être tes collègues de travail. Mais tu as besoin de l'eau de vie. Parce qu'ils sont en train de mourir. La Bible me dit que sans Dieu, les hommes et les femmes sont en train de mourir. Elles vont droit en enfer. Il y a une chose sur laquelle nous devons avoir l'esprit ouvert et nous rappeler qu'un monde autour de nous est en train de se mourir et est en train d'aller tout droit en enfer. Et nous qui avons la parole de vie, la parole de victoire dans nos vies, on est en train de dormir. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous interpelle à nous réveiller, à sortir de notre sommeil. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Ça doit être un message qui doit révolutionner ta vie. Quand tu sors de ce lieu, tu ne dois plus être la même personne. Amen. Parce que l'onction qui est sur ce message va transformer toute ta façon de penser et briser tous les raisonnements que tu croyais avoir jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi t'as attendu le message le dimanche dernier pour me dire qu'il y aurait quelque chose de nouveau? Tu m'avais dit que ça serait plus fort chaque dimanche. Mais pourquoi t'as attendu 7 jours? Il me dit, quand il y a le double impact de l'onction qui commence à toucher, il m'a dit, toi-même, tu as dit dans ta parole, quand tu as prêché, c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu dois oublier toutes les anciennes choses que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui. Qui se rappelle de ce que j'ai dit ça? Quand j'étais là dimanche, quand j'ai prêché. Il m'a dit, tu dois oublier toutes les anciennes choses, toutes les manières dont je travaillais avec toi. C'est pour ça que j'ai fait 7 jours de silence. Et je veux vous dire que pendant les 7 jours de silence, quand j'étais là vendredi, je ne savais même plus un moment qu'on prêchait. J'ai parlé de la délivrance, parce que Dieu m'a dit de parler sur la délivrance, mais je n'avais même pas de verset avec moi. Parce que je dis, mais Dieu me demande de parler de ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il me demande de plus. Et pendant une semaine, j'ai eu l'impression que j'ai oublié tout ce que j'avais vécu depuis 2004. Saint-Esprit me dit, c'est parce qu'il y a une révélation nouvelle. Il y a une révélation nouvelle. Et il y a un temps nouveau. Amen. Maintenant, nous allons voir ensemble comment recreuser les anciens puits de réveil. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. C'est mon deuxième point. Recreuser les anciens puits de réveil. Genèse 26, verset 15. Genèse aujourd'hui. La Bible me dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait creusés. Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a des puits que nos pères spirituels ont creusés un jour. Des pères spirituels comme Charles Fitner,
des hommes de réveil qui ont impacté toutes les nations, comme Calvin, comme Luther. Et la Bible nous dit quelque chose d'important. Les Philistins sont venus dans les puits qu'Abraham avait creusés et ils les ont bouchés avec de la terre. C'est ce que le diable a essayé de faire depuis des siècles, chaque fois qu'un homme, qu'une femme a ouvert des puits de la terre. Il est venu, il a essayé d'étouffer ses réveils. Il a essayé de détruire ses réveils. Il a essayé de les étouffer à travers les siècles. On se dit, mais pourquoi là-bas ça marchait et aujourd'hui on ne voit plus? Je vais te dire, le diable est venu et a mis de la terre sur ces puits qui étaient creusés pour que les hommes et les femmes meurent de soif. Mais la Bible dit que la première des choses qu'Isaac a fait, il n'a pas essayé d'abord de se creuser son propre puits, mais il a commencé à creuser dans les puits qui étaient déjà enterrés. Amen. Et Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que tu as fait depuis 2004. C'est vrai, j'avais regardé les réveils, j'avais étudié les jeunes hommes de réveil, j'ai gardé les hommes de réveil, ça m'a toujours impressionné. Et le Seigneur m'a dit, dans tes messages, tu auras comme recreusé dans ces puits. Et j'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, parce qu'ils nous ont donné quelque chose. Amen. Ils nous ont donné quelque chose. Et j'aimerais... J'aimerais vous donner une image. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit que nous devons achever la course. Amen. Il y a une course de révélation que tu dois achever dans ta vie. Amen. Les révélations, c'est peut-être pas que tu vas être prédicateur ou quoi, ce n'est pas ça. Mais Dieu a une source de révélation pour ta propre vie, pour te conduire et te diriger sur le sentier de la justice et de la vérité. Amen. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir reçu, non seulement de Dieu, mais également des autres hommes qui ont creusé avant nous les mystères qui étaient là. Amen. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une course de relais. Est-ce que vous connaissez ce que c'est une course de relais? Une course de relais, c'est une équipe qui combat contre des autres équipes, mais cette équipe a une caractéristique. Chacun des coureurs doit s'arrêter à un moment précis et donner ce qu'on appelle le bâton à l'autre. Donc tu vois le bâton comme ça, et il court jusqu'à un trait, jusqu'à une limite. Et à cette limite, il y a un de leurs amis, un de leurs collègues qui est là et qui est prêt à recevoir ce bâton pour courir. Mais le problème, c'est que tant qu'il n'a pas reçu ce bâton, il ne peut pas courir. Est-ce que vous comprenez? Il est là, il doit attendre que cet homme vienne, qu'il lui donne ce bâton. Et quand il a ce bâton, l'homme qui courait s'arrêtait et l'autre continue. Amen. Il y a tant d'hommes qui nous ont donné le relais, qui nous ont donné des mystères, tant d'hommes, tant de femmes. Mais quand est-ce que tu vas commencer à les saisir toi-même et commencer également à courir avec ce que tu as déjà reçu? Beaucoup disent, j'aimerais des grandes révélations. Et combien de fois as-tu pris les révélations des hommes et des femmes qui ont impacté leur nation? Et tu as fait cette révélation tienne parce qu'il t'a donné un flambeau et que tu as couru jusqu'à ce que tu reçoives ta propre révélation. Amen. Nous avons besoin de savoir cela. Nous avons besoin de connaître cela pour pouvoir avancer plus loin avec Dieu. Amen. Est-ce que nous allons prier après? Quand après nous allons passer dans un moment où nous allons prier, nous allons déclarer la réouverture de tous les puits de réveil que le diable a commencé à détruire. Nous allons déclarer cela. Nous allons prier cela. Et je vais vous dire, ça va impacter toutes les nations. Parce que là où les plus grands réveils avaient commencé, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer à ouvrir. Amen. 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 Amen.
Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il va se passer aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous allons continuer. Amen. Nous allons voir le puits du pays promis. Notre nation de France est une terre de réveil. Et quand je parle d'une terre de réveil, vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai exprimé depuis le mois, depuis l'année 2004. Je le dis à tout le monde, les gens me prenaient pour un fou. Je disais, c'est une nation de réveil. Et je disais, non, la France est trop dure, la France est trop froide, les gens sont trop... les gens ne sont pas trop froids. Je dis, c'est une nation de réveil. Et je savais que le Saint-Esprit mettait cela à cœur depuis 2004, depuis que je me suis converti. Et hier, il m'a donné la clé. Il m'a dit, je vais te montrer qu'est-ce qui va se produire. Regardez, nous allons lire ensemble. Genèse 26, verset 25. Écoute vraiment cela, parce que là, il y a vraiment une onction qui va descendre sur ce verset. Écoute cela. Isaac bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Amen. 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 Nous allons lire dans le... Nous allons nous arrêter d'abord là. Écoute ce que Dieu dit. Isaac bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Cet endroit que vous voyez est un autel où on invoque le nom de l'Éternel. L'église, c'est un endroit où des frères et des sœurs se rassemblent pour pouvoir invoquer le nom de l'Éternel. Et la Bible me dit quelque chose de particulier. Isaac dressa sa tente dans cet endroit. Et la Bible me dit que Isaac creusa un puits. Amen. Je peux vous dire que depuis l'année 2004, avec mon épouse, on a creusé ce puits. Et qu'il n'y avait pas encore d'eau dedans. On a seulement creusé. Mais regardez ce que la Bible me dira ensuite. Dans les versets 30. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un et l'autre. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Isaac l'appela Shibéa. C'est pourquoi on a appelé à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Le puits a été creusé. Et nous avons vu que à travers le temps, depuis même dimanche, l'eau a commencé à venir. Nous commençons à voir l'eau qui est là. Et les serviteurs nous disent, il y a quelque chose. On sent la présence de Dieu, on voit les choses qui commencent à se passer. L'eau est là. Et j'aimerais te dire que cette eau qui est là dans ce puits, c'est cela le symbole du réveil. C'est cela l'impact du réveil. Et c'est cela qui va commencer à bénir toute cette nation de France. Et c'est pour cela qu'on dit le puits dans la terre promise. Amen. La terre promise à moi, c'est la terre de France, puisque j'habite ici. Amen. Les enfants d'Israël, pour eux, étaient Israël. Je ne veux pas leur prendre leur héritage. C'est leur héritage. Et mon héritage, c'est la France. Et toute l'Europe. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je déclare que toute l'Europe, toutes les autres nations sont notre héritage. Mais que dans cette nation où nous sommes, c'est une terre de réveil où des hommes et des femmes vont venir par centaines, par milliers, venir voir ce qui se passe au centre mondial de réveil ici à Strasbourg. Amen. Ce que je dis, vous allez le voir. Amen. Les grands hommes de réveil vont venir voir ce qui se passe. Et vous vous souviendrez qu'un jour on avait creusé un puits où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau dans le puits. On l'a creusé. Mais un jour Dieu a déversé de l'eau dans le puits.
Et cette eau va commencer à bénir toutes les nations. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Amen. Dieu a dit qu'il donnerait les pluies, la première et de l'arrière-saison. Les premières pluies sont déjà descendues par les hommes de réveil. Nous sommes dans le temps de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Eux, ils ont préparé les cœurs à la repentance, avec des messages puissants. Aujourd'hui, le Saint-Esprit prépare l'Église sur la plateforme du retour de Jésus dans les airs. Amen. C'est pas simplement un message où on dit on accepte Jésus et ensuite on est chrétien. Ce n'est pas simplement un temps où on reçoit le parler en langue ou quelques dons spirituels. Mais c'est un temps où l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu, descend sur ta vie, transforme ton cœur. Tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Et à partir de ce moment-là, tu es prêt pour le retour de Jésus-Christ, pour le retour glorieux dans lequel la Bible dit cette épouse sans tache ni ride, qui n'a rien de mauvais. Parce que le Saint-Esprit t'aura transformé. Voilà. Voilà la clé du réveil. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire. Amen. Et pour cela, il veut que nous le laissions maître. C'est lui le pasteur de l'Église. C'est lui qui agit dans les vies. Et là, il ne veut pas que tu le connaisses seulement comme une puissance ou une chose. Il veut que tu le connaisses comme une personne. Il veut que tu puisses expérimenter une amitié avec lui. Que tu puisses le connaître. Et que toute ta vie, toute ta façon de penser puisse changer. Amen. Vous savez, quand on commence à parler avec Dieu, on va réaliser que nous, en tant qu'être humain, on a des pensées qui nous bloquent. Dieu nous parle de foi, on se dit, mais qu'est-ce la foi? La foi, c'est de croire que Dieu existe. Et qu'il est notre patron. Amen. La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est ton patron. Dans la Bible, il ne dit pas comme ça. Il dit la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et moi, dans ma compréhension, j'ai compris qu'il est mon patron. S'il est mon rémunérateur, celui qui me donne, c'est celui qui me paye, donc c'est mon boss. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Amen. Et quand nous commençons à comprendre de cette manière, alors à ce moment-là, c'est pas dur d'être chrétien. Amen. Aujourd'hui, alors que je regarde des fois des informations, je vois une jeunesse être en recherche d'une sainteté. Je vois une jeunesse être en recherche d'une sainteté. Quand on entend des fois les adolescents parler à la télévision, les adolescents disent, voilà, mais nos aînés, on n'a pas envie de leur ressembler. On aimerait bien avoir dans le monde un cadre de vie bien équilibré. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, voilà. Voilà ce que la jeunesse cherche. Alors ils essaient de le trouver dans les plaisirs que le monde offre. Mais il y a un mal-être en eux. Parce que c'est une jeunesse qui veut être prête pour le retour de Jésus. Amen. La jeunesse de notre nation veut être prête pour le retour de Jésus. Et c'est pour cela qu'on est dans une génération propice. On est dans la meilleure des générations. Amen. On est dans la meilleure des générations. Et si tu es ici, c'est parce que ce n'est pas simplement parce qu'on t'a invité. Mais si tu es ici, c'est parce que la présence de Dieu t'a invité à faire partie de ce mouvement de réveil qui a de toutes les nations de la terre. Amen. 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 Nous allons lire encore ensemble un livre. Livre d'Ézéchiel 47, verset 1. Ézéchiel 47, verset 1. C'est un prophète que j'aime beaucoup.
il me dit, il me ramena vers l'entrée de maison, dans la maison, et voici que de l'eau sortait sur le seuil de la maison à l'est. Amen. Regardez ce qu'il dit. Avant de pouvoir voir le torrent, la Bible me dit, l'ange l'amena d'abord dans la maison. Amen. Et comme nous réunissons ensemble, nous disons que c'est la maison de Dieu. Amen. Et quand les hommes et les femmes entrent dans l'église, ils entrent comme Ézéchiel dans cette maison. Amen. Et la Bible me dira quelque chose de particulier. Voilà ce que la Bible me dit. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au sud de l'autel. Amen. Regardez. L'eau, elle descendait de quel côté? Du côté droit, c'est écrit. L'eau descendait du côté droit. La Bible me dit que le côté droit de Jésus a été percé dans lequel l'eau sortait. Quand Ézéchiel était là, il y avait un acte prophétique qu'il est en train de voir. La maison, c'est non seulement l'église, mais c'est également Jésus qui est la fondation de la maison. Amen. Il est la fondation de l'église, dans lequel il y a des pierres vivantes, dans lesquelles ensemble, en tant que corps, bien édifié, on forme un bel édifice bien coordonné pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Et la Bible me dit quelque chose. Que le côté droit de Jésus a été percé et que l'eau est sortie. Et la Bible me dit quelque chose. Que Ézéchiel, alors que l'ange l'a amené dans cette maison, il y avait de l'eau qui sortait du côté droit de cette maison. Amen. Amen. La Bible se complète à 300% quand le Saint-Esprit amène la révélation. Amen. 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 Ce n'est pas la théologie qui nous fait découvrir ça. C'est la révélation du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est quelque chose que tu dois te rappeler. Quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu viens à l'église, et quand tu dis, mais Seigneur, où est l'eau vive? Où est l'eau de vie? La Bible me dit, le côté droit de Jésus a été percé et l'eau en est sortie. Amen. Alors quand tu viens dans l'église, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive de l'eau gratuitement. Et quand tu vas à l'église, tu dis, mais Seigneur, comment je vais boire? Alors ferme tes yeux et dis-lui, Seigneur, ton côté droit a été percé. Et du côté droit de la maison, l'eau de vie sort. L'eau de vie jaillit. Pour me transformer. Et alors ta louange, alors ton adoration, commence à prendre une nouvelle dimension. Tu commences à devenir une nouvelle personne. Et l'impact de sa présence commence à révolutionner ta vie. Amen. On va continuer à lire. Accueille un verset. Il me fit sortir par le chemin au porche nord. Dans le verset 2. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. La Bible me dit que dans ta marche avec Dieu, la parole de Dieu commence à te conduire. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Mais avant que tu commences à marcher, il va mesurer une certaine distance. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te faire avancer tout d'un coup, sinon tu ne supportes pas. Donc il mesure une certaine distance, et ensuite il te fait avancer. Et la Bible me dit que quand cet homme avança, quand Ézéchiel avança, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et c'est le premier instant que nous passons dans la présence de Dieu où tout d'un coup on commence à sentir
On dit, mais oh, quelque chose de bien commence à se passer. Je commence à sentir la présence de Dieu. C'est pas encore tout explosif comme je pensais, mais je commence à sentir. Et tu commences à te sentir bien. Il y a une paix qui vient sur ta vie. Amen. Et là, quand nous continuons à lire la Bible nous dit ensuite, l'ange mesura encore, il avança jusqu'au genou. Ensuite, il avança jusqu'à la taille. Et après la taille, je vous le résume un petit peu, sinon ça va être long de lire tout. Il en avait jusqu'au cou. Mais la tête n'était pas encore dans. Et bien des fois, nous arrivons dans la présence de Dieu jusqu'au cou. Et nos pensées sont encore dehors de la présence de Dieu. On peut chanter, on peut louer, on sent la présence de Dieu, mais nos pensées, nos raisonnements, nos tracas, nos incrédulités sont encore dehors de la présence de Dieu. Et c'est là, malheureusement, où beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants s'arrêtent. Parce que la Bible dit que Ézéchiel a continué et à un moment, c'était un torrent qu'il ne pouvait traverser. Et il a été emporté par ce torrent. Et j'ai envie de dire le miracle qui s'est produit. Avant qu'il entre dans ce torrent, Ézéchiel avait vu un désert devant lui. Toutes les situations étaient difficiles. Il n'y avait rien qui poussait dans ce désert. Mais quand il a été submergé totalement par ce torrent, quand il est sorti au même endroit, à son étonnement, il a vu de l'herbe qui a poussé. Il a vu des arbres fruitiers. Il a vu que tout le désert avait changé et avait fleuri. Amen. La Bible me dit que Dieu va faire refleurir le désert. Et quand nous regardons à Israël, le peuple d'Israël, aujourd'hui dans leur terre, là où il y avait un désert, tout le désert est en train de refleurir. Mais j'aimerais te dire que dans ta vie, il y a des déserts. Dans ta vie, il y a des situations chaotiques, désespéreuses, désastreuses. Et que malgré que tu es rentré dans la présence de Dieu, tu n'as pas pu encore les choses changer. Là, j'aimerais te dire, n'arrête pas, continue dans la présence de Dieu. Si les choses n'ont pas encore été changées, c'est que tu n'as pas encore été submergé totalement. Mais continue. Le Saint-Esprit continue à mesurer pour toi. Pour que tu continues à marcher sur ce sentier de victoire, sur ce sentier de joie. Et le moment où tu es submergé, le moment où tes pensées sont transformées, quand tu vas ressortir, tu vas voir que dans ton désert, là où c'était chaotique, il y a tout d'un coup des arbres fruitiers. Il y a de l'herbe. La vie a commencé. Parce que Dieu a accompli une œuvre merveilleuse. Amen. Et cela, nous pouvons le voir dans la louange, dans l'adoration. On peut rentrer dans la louange, dans l'adoration jusqu'à un certain niveau. Mais quand nous continuons, et nous continuons, nous avons vu combien l'onction change nos cœurs. Et quand l'onction change nos cœurs, nos pensées sont changées. Nos mentalités sont changées. Nous avons vu que Jésus jette un feu sur la terre. Et ce feu, c'est la parole de Dieu pour la destinée. Ce n'est pas des projets de malheur, mais Dieu a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Alors ne cherche pas ailleurs ton avenir et ton espérance. On peut voir que les gens du dehors ont cherché un avenir par eux-mêmes. Ça ne leur a pas apporté une espérance. Ça leur a mis des échecs. Mais nous, comme cherchons notre avenir en Dieu, alors ces plans, ces projets qu'il a prévus pour nous vont nous donner un avenir et une espérance. Amen. 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 C'est un message vraiment que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et c'est le nouveau message qui va révolutionner l'Église. Amen. C'est à partir de ce message que les nouvelles révélations vont commencer à couler. Des révélations beaucoup plus profondes, beaucoup plus puissantes. Mais il faut que tu te rappelles, un puits a été creusé. Et parce que Jésus vient, l'eau qui jaillit de ce côté commence à remplir ce puits. Amen. Un endroit où on invoque le nom de Dieu a été dressé. Ici, on invoque le nom de Dieu. Un puits a été creusé par la prière, par le jeûne. La Bible me dit, la
Là où deux ou trois sont assemblés, je suis là. Nous sommes plus que deux ou trois. Nous sommes dans le lieu où lequel le nom de Dieu est invoqué. Il descend, Jésus descend. Et parce qu'il descend, son côté coule dans le puits qui a été creusé pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le puits a été creusé. Et parce que son côté est en train de couler, son côté est en train de couler dans le puits. Et tout d'un coup, il commence à inonder toute la salle. Et il y a la fleur d'eau vive qui commence à jaillir. Et il y a un torrent d'eau dans lequel on va chanter un dos, s'il te plaît, où sonne, il est ta fleuve. Que nous puissions nous lever. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un peu en face, enfin. Coulant du cœur de Dieu. Oui, c'est un grand fleuve. Nous allons chanter ensemble. Parce que le fleuve de Dieu est là. Le fleuve de Dieu est là. Pendant un instant seulement, laisse-toi toucher par l'eau qui est là. L'eau du côté de Jésus. M'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Il est pour les fleuves d'eau vive et va prier maintenant dans ce lieu. Seigneur, je te remercie ce matin, Seigneur, pour la parole, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, il est vrai que nous avons passé beaucoup de temps, Seigneur, à creuser, Seigneur, ce puits, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons, Seigneur, le résultat, Seigneur, que a commencé à détruire
a commencé à fermer tous les puits de l'éveil. Seigneur, qu'on parle dans Jésus Christ, qu'on parle de chaque fidèle, des valeurs ouvertes, tous ces hommes et ces femmes que le Pater m'a sur. Maintenant, les fleuves t'en vivent. Maintenant, Seigneur, là où il y avait la terre, je déclare que le feu maintenant est en train de briser tout là où le diable a voulu éteindre le feu du réveil. Et maintenant je proclame la vie. Je proclame la vie. L'atmosphère du plus grand réveil. À cause du côté de Jésus qui est en train de couler. Le côté de Jésus qui est en train de couler. Le côté de Jésus qui est en train de couler. Le côté de Jésus qui est en train de couler. Pour la gloire du Père. Pour la gloire du Père. Oh, quand tu vas chanter. Il y a un acte prophétique qui est fait là. Qui va impacter toutes les nations de la terre. Je vais y voir. Pendant que mon frère continue à jouer, j'aimerais que nous puissions aussi nous rappeler de l'homme qui a reçu cette chanson à cœur. Tu continues cette chanson, mon frère. La Bible me dit, non, l'histoire nous raconte que c'était un missionnaire qui était en Afrique. Et quand il était en Afrique, alors que l'Afrique n'était pas encore chrétienne comme aujourd'hui, il y avait des tribus qui sont allées pour faire la guerre à cet homme. Parce qu'il prêchait l'évangile. Et alors que cet homme a essayé de fuir comme il a pu, il s'est trouvé devant un fleuve. Et pendant qu'il était devant ce fleuve, en Afrique, ceux qui le poursuivaient sont arrivés. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Et il a vu ce fleuve. Et il a commencé à chanter cette chanson que nous chantons aujourd'hui dans beaucoup d'églises au monde. Et il a laissé sa vie. Il n'avait pas vu le réveil. Mais quand il chantait, il pleurait. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, ce chant. Mais il avait reçu la vision de Dieu. Et aujourd'hui, bien des années plus tard, le Saint-Esprit nous donne la révélation de ce qu'il avait eu. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Et ce fleuve-là est le fleuve du réveil. Est le fleuve de la transformation. Continue à chanter encore. Il est un fleuve. C'est un grand fleuve. Pendant que les fleuves commencent à passer dans l'église, il y a maintenant les péchés qui sont éradiqués. Il y a maintenant les puissances des ténèbres qui sont ébranlées. Maintenant j'ai pris tout à tout ça. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant la gloire de Dieu. Sa victoire. Recevez l'onction. Recevez l'onction. L'onction de la présence de Dieu. Il
Jésus. Alors maintenant, là où tu es dans la salle, viens devant. Viens, nous allons prier. Peut-être que tu es là et que tu es croyant, mais il y a des moments où tu as chuté avec Dieu. Et que tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Alors aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, viens devant. Viens devant. Viens devant. Oublie ta cible, ta soupe. C'est pas d'autres qui veulent venir devant. Tous les gens disent pas compris.
commencer à partir d'aujourd'hui à retenir. Pas parce que c'est toi, mais à cause de ma présence qui est sur ta vie. Beaucoup d'entre les dons, je vois ça dans mon esprit. Énormément de gens t'ont tourné le dos. Beaucoup de gens t'ont critiqué. Mais le Seigneur, je dis, je n'éteins pas la cendre qui fume. Tu étais comme un lumignon qui fumait encore. Et maintenant, j'allume cette flamme nouvelle. J'allume cette flamme nouvelle. Et maintenant, elle fait un nouveau coup dans ma vie. Maintenant, je brise les chaînes par l'autorité que tu
m'as conféré. Dans le nom de Jésus, je détruis les chaînes des ténèbres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, présence de Dieu. Saint-Esprit, tu la visites maintenant. Tu la visites maintenant. Tu la visites maintenant. Tu la visites maintenant. Et maintenant, ses entrailles maintenant. Le feu! Seigneur mon Dieu, on voit qu'à partir d'aujourd'hui, elle devient une femme de feu. Une femme de feu. Une femme de feu. Et que les œuvres des ténèbres maintenant n'ont plus d'impact sur sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Pendant la prédication. Aujourd'hui, quand tu as entendu parler d'Agar, tu t'es vu dans cette femme. Et le Seigneur te dit, pourquoi pleures-tu? J'ai vu la souffrance de ton fils. Et je vais faire des choses. Mais ce que je te demande, voir. Et viens dans ma présence avec joie. Les joies maintenant les uns sur ta vie. Maintenant les manteaux de deuil maintenant quittent maintenant dans le nom de Jésus. Le manteau de deuil maintenant quitte. Les puissances de tristesse maintenant quittent sa vie. Le Seigneur, il y a un feu. Un feu nouveau dans sa vie. Un feu nouveau. Un amour nouveau. Tu vas voir les jours qui vont venir. Les joies plus grandes. Et les joies qui vont commencer à se communiquer. Maintenant, reçois toujours plus. Une guérison. Une restauration complète. Une restauration complète. Le puits de Dieu est là. Et les restaurations complètes maintenant qui sont en train de se faire dans ta vie. Maintenant, plus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour cet homme. Seigneur, je te demande de le bénir. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as mis dans sa vie un amour. Je vois dans ta vie qu'il y a un grand amour. Mais souvent tu te dis, mais Seigneur, comment peux-je te servir? Comment peux-je mettre cet amour à l'égard de ceux qui m'entourent? Cela te dit, comme un jour l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce n'est pas l'esprit de timidité en nous. Et aujourd'hui, Dieu va te donner une force, comme jamais tu avais. Et avec cette force, tu vas voir que tu vas faire les choses que tu voulais toujours faire et que tu n'as jamais pu faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Seigneur te bénit. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour cet homme. Je te bénis pour ton amour, Seigneur, qui est dans sa vie. Seigneur, il y a un grand amour dans sa vie. Oh, Seigneur, moi, je suis à côté de lui, je sens cet amour. Mais le diable a voulu venir et mettre de la terre sur cet amour. Pour pas qu'il le manifeste. Seigneur, ton fleuve, nos vies. Il redonne un grand amour. Et maintenant, il pourra le communiquer.
Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour le fleuve d'eau vive que tu utilises à travers notre frère aussi David. Et maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors qu'il est en train de jouer, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ses mains, alors qu'il commence à jouer sur le synthé, que les fleuves d'eau vive soient libérés. Et que Seigneur, ses entrailles maintenant libèrent dans les eaux vives. Dans le nom de Jésus, c'est le temps des eaux vives, c'est le temps maintenant, c'est le temps de la grâce. Fleuve coulant du cœur de Dieu. Donnez-vous la main tous, donnez-vous la main, il y a vraiment l'amour de Dieu. Donnez-vous la main, chaque frère, chaque sœur, que vous puissiez vous donner la main. Maintenant, dans le nom de Jésus. Il est ta fleur coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve. C'est un grand fleuve. Qui rend les gens heureux. Qui rend les gens heureux. Je merci toi. Je merci toi. Son amour. Seigneur, merci, je te remercie, je te rends grâce pour ce temps de culte, pour ce temps de nouvelles révélations, pour ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont revenus de tout cœur à toi, pour ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont déterminés maintenant dans ta présence pour conquérir notre nation pour un réveil, pour conquérir les nations dans le réveil. Je bénis chaque frère et chaque sœur, je bénis cette journée, dans le nom de Jésus-Christ.